C'est vrai que c'est un moment important dans la carrière des joueurs. Vous êtes tous des athlètes de très haut niveau et tout ce que vous faites est toujours en statistique. Et les chiffres comptent pour vous. Bon. Et aujourd'hui, Max a atteint un chiffre symbolique, c'est la barre des 100. Tout le monde n'est pas centenaire en équipe nationale ou même en club comme ça. Donc là, en équipe nationale, c'est encore plus difficile parce qu'il faut plus de durée. Et donc, il a atteint les 100 sélections la dernière fois à Boaké. Donc, je voulais au nom de tous, donc vous tous, et toute la sélection, lui présenter les félicitations de la Fédération Ivoirienne de Football, les remerciements de la Côte d'Ivoire entière, parce que ces sélections-là ont été pour ton pays. Et tu as toujours été un guerrier, un battant, un garçon engagé. Je me souviens quand on t'a chopé, j'étais là encore. Il était timide. Il est resté longtemps dans la qualité, dans le sérieux, dans l'engagement. Je voudrais donc, en votre nom à tous, le féliciter. Didier Paul est très content. Pour nous, un joueur qui reste aussi longtemps et à un aussi haut niveau, c'est un modèle. C'est un modèle de régularité, c'est un modèle de constance. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Je souhaite que chacun d'entre vous soit centenaire et même plus en sélection. Parce que plus vous serez là, plus vous serez présent, plus vous serez impliqué, plus vous donnerez des résultats pour le pays. Et en fait, plus le pays sera heureux et plus le pays sera reconnaissant. Donc Max, au nom de tous, je voudrais te remettre ce maillot symbolique que tu pourras conserver voilà, dans tes... Voilà, pour dire que tu as servi la nation. Voilà. En tout cas, félicitations. Et puis, merci à vous. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce maillot-là. Et je voudrais vraiment, au nom de tous nos coéquipiers et ceux qui ne sont pas là, et j'ai des souvenirs qui me reviennent encore à l'esprit, à mes débuts. Aussi, une pensée forte à Thierry Téchec, parce que c'est quelqu'un que, dès ma première sélection, avec qui je me souviens. Donc, je pense à lui aussi, au président Kakanouma, avec vous, au président Sidi Diallo, et tous ceux qui étaient avec nous. Mais aussi à Keïta, donc c'est à toutes ces personnes-là que je pense quand je repense à mes débuts ici. Ça n'a pas été facile. Nationale représente beaucoup pour moi et à chaque fois que j'ai l'opportunité de porter ce maillot-là, j'ai toujours voulu tout donner. Parfois, ça n'a pas marché, mais je me suis toujours dit que on peut rater un but, on peut rater un match, mais on n'a pas le droit de ne pas tout donner quand on porte ce maillot-là. Et Dieu seul sait comment ce maillot-là est cher pour moi et je veux transmettre cela à tous mes petits frères ici afin qu'ils puissent tout donner à chaque fois qu'ils revêtent ce maillot-là. Donc je veux te remercier à tout le monde pour ce maillot-là. Merci à vous.